Alors, je vous propose maintenant d'accueillir Paul pour le G Show Partien. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau? Alors, comme vous le savez tous, en ce moment, c'est les élections présidentielles. Et il y avait à Épernay la réunion de soutien pour Alain Juppé. C'est ça aussi, monsieur. Premier point. Deuxième point, il faut faire vite. Ouais. Mais bon, heureusement, il y avait un autre événement à côté, un peu plus marrant. Je vous laisse voir la suite. Le 64. C'est pas grave, si. Alors, ça y est, on est au loto. J'ai ma petite grille et mes petits haricots. Et c'est parti, on va aller tâter l'ambiance. Alors bonjour, comment vous appelez-vous? Justine. Alors, moi je ne connais pas du tout. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? D'accord, il faut faire une ligne. Le 85. Une ligne, deux lignes. 85. Le 28. Juste à côté, il y a la réunion pour Alain Juppé. Si vous commencez vos réformes 2 ans après... Vous préférez être ici ou être à la réunion juste à côté? Vraiment, je préfère être ici. Hein. C'est la meilleure ambiance. Hein. Voilà. 90. Mais voilà, ça se déroule bien. Là. Oh, Josiane, un numéro pour toi. 69. Le 69. Attention. Le 69. On se pose une question. Pourquoi le 69 pour Josiane? Ouais, parce qu'elle aime bien tout ce que je vais dire. Voilà. Alors, comme tu peux le voir et comme vous pouvez le voir, il y a du beau monde. Effectivement. Mais j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel, c'est le gardien des boules. Bon, j'ai pas tout compris à ce qu'il m'a dit, mais il est quand même exceptionnel comme garçon. Je vous laisse voir. 46, 8, 65, 8, 85. Alors, quel est votre prénom, monsieur? Gervais. Alors, on vous a vu, c'est quoi le but de cette machine? C'est de faire monter les boules au fur et à mesure. Et puis, je prends la boule qui arrive en haut, en premier, à chaque fois. Et après, vous dites le numéro 2 fois. Pour que les gens les entendent bien. Et c'est vous qui avez fait cette belle machine là? Ah non, c'est une matériel qui est fabriqué. Et du coup, vous tirez beaucoup de boules dans la soirée, non? Oh, bah oui, parce qu'on tire, quand on fait un carton, on en tire aux alentours de 50, 60, 65 même, des fois. Qui êtes-vous? Je m'appelle Hervé. Vous venez en famille jouer au loto? Oui. De combien? Vous venez souvent jouer au loto ici? Bah, dès qu'on peut. Et vous trouvez pas que c'est un peu sexuel entre le 69 de Josiane, les petites boules ici derrière vous, non? Pas du tout. Et du coup, vous gagnez un peu ce soir? Oh, comme d'habitude, le regarde. 25. Bien, on rigole bien, surtout. On rigole et bien. Ça picole bien aussi. Hein. Ah, ça surtout. Non, mais c'est... Comment vous appelez-vous? Nathalie. Vous gagnez un peu ce soir aussi? Ce soir, non. Pas ce soir. C'est peut-être parce que vous êtes là, je ne sais pas. Vous faites de l'effet? Non, mais non, je gagne pas ce soir. Bon, bonsoir, madame. Bonsoir. Vous appelez comment? Jackie. Ah, mais madame Jackie, vous êtes chanceuse ce soir. Oui. C'est grâce à nous, vous pensez? Eh ben oui, très bien. Un beau coussin pour aller dans votre salle. Ah ben voilà, très bien. Ça ira dans les tons? Oui, c'est bon. C'est parfait. C'est parfait. Vous avez une grille pas trop mal, là, encore. Hein. Le 28. Oui. Le 28. Allez, plus qu'un numéro. Plus qu'un. On va rester là, on part de chance. Le 51. Oh, bah ça y est. Le 51. Elle est juste derrière. Vous êtes sur Paris, comment on gagne? Merci Paul pour ce reportage. Mais de rien, je vous réserve une très belle surprise pour la semaine prochaine. Bah écoute, on te retrouve le mois prochain, tu veux dire? Oui. Ce sera mieux.